Hello, désolée pour le bruit de la machine. Bon, là-bas j'avais une couette. Ça c'est un peu transformant, je ne sais quoi. Du coup, j'ai essayé ce que j'ai reçu pour Noël. Là, hier, on a fait des carottes râpées. C'est trop facile à faire et je vous aurais mis au tout début du vlog. En fait, j'ai essayé pour couper les courgettes. C'est trop cool. Ça coupe genre une largeur qui est un peu chiante à faire au couteau. Et du coup, c'est trop bien. Sinon, ce matin, j'ai reçu un SMS me disant que le lit était arrivé à Conforama. Et donc, tada! Bon, mon copain a commencé à le monter. Je l'ai un petit peu aidé, enfin, à tenir des trucs quoi. Faut pas dire que c'est moi qui l'ai monté. Du coup, il a pas mal avancé. Bon, du coup, on avait fait du rangement, mais là, ça ressemble plus à rien. Donc, il restera... En gros, là, ce qu'il reste surtout à faire, c'est de mettre toutes les lattes, là. Ici, et puis il y a le truc à mettre au fond, en fait. Faudra retourner le lit. Et tout, enfin voilà, ça c'est le sommier de l'ancien lit. Voilà, donc j'ai trop hâte. Franchement c'est trop cool, donc j'espère que je vais recevoir assez vite le matelas. Ce serait bien que je le reçoive genre quand je suis pas là. Là ce que j'allais aller faire, je vais ouvrir mes volets et je vais monter des vlogs et des vidéos. Puisque demain je pars, donc il faut que je sois en avance. Au début je voulais aller à la salle ce matin et avec mon copain on s'est levé genre vers 10h et j'aurais pu redormir. Franchement je ne lève jamais à cette heure là, c'était trop bizarre, pas l'habitude. Là, bah, je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être genre 13h30. Je pense que je vais me prendre un petit dessert. Enfin, j'ai envie de grignoter en fait. On est allé au cinéma, c'était quand? Mardi soir, je crois. Et on a acheté des chouchous pour le cinéma. Et il en reste plein. Et c'est vraiment mon kiff. Je sais que c'est pas bien de grignoter et tout, des trucs comme ça. Mais on n'a qu'une vie, les gars. Il faut se faire plaisir. Du coup, voilà, je vais faire mon petit montage en grignotant des chouchous. Puis j'irai à la salle de sport dans l'après-midi. Puisque du coup, j'ai pas pu y aller ce matin. Bon, me voilà en tenue de sport, j'ai monté le vlog qui doit être en ligne demain, du coup je le laisse charger. À la base aujourd'hui, comme je l'avais dit hier, je voulais en fait emballer tous les colis et faire un tri dans mon dressing, sauf que j'ai prévu de faire ça ici parce que c'est là où il y avait de la place, sauf que du coup, bah en fait ça va pas être possible. Voilà, I'm sorry. Bon ça y est, séance terminée, vous imaginez même pas les courbatures que j'ai au dos et aux épaules de ma séance d'hier. Oh là là, truc de ouf, j'ai trop mal. Du coup j'essaie de me retirer un peu, déjà hier soir je m'étais tirée. Bon, je viens de mettre de l'essence dans la voiture et là je passe à la poste. Ben, envoyer un colis. Voilà. Bon c'est fait, mais bête comme je suis, j'aurais dû emmener mon chèque que j'ai eu à Noël. Mais bon, j'y ai pas pensé. On me voilà rentrée, il y avait un colis dans la boîte aux lettres, je sais pas ce que c'est. Donc nous allons l'ouvrir. Il était légèrement ouvert. Ah, je sais ce que c'est. Dommage que je ne l'ai pas eu là. C'est un t-shirt. Donc c'est la marque Line Fit. Je vous en reparlerai sur Insta. Donc je sais pas si vous allez voir en fait les lignes qu'il y a. Mais bref, en gros, c'est fait pour soutenir un minimum votre dos. Il est genre collé. C'est une matière genre un peu antidérapante. Je pense que ça colle à la peau. Enfin, ça colle. Et du coup voilà, c'est censé bien soutenir votre dos. Qu'est-ce qu'ils disent? Produit développé pour protéger votre dos pendant l'activité sportive. Enfilez votre perco. C'est en anglais. Protège votre dos jusqu'au bout de l'effort. Effectuez les bons mouvements pour protéger et renforcer votre dos. Réalignez votre dos pour diminuer les contraintes sur vos vertèbres. Améliore respiration et circulation sanguine pour ralentir la fatigue musculaire. Technologie brevetée, tissu bi-stretch et hyper respirant. Donc voilà, franchement quand j'ai vu ça je me dis que ça pouvait être trop cool de tester. Et là pour la séance, genre séance fesses, on utilise quand même pas mal le dos, donc ça aurait pu être cool. Mais du coup je sais pas exactement où est le devant, où est le derrière, je vous avoue. De toute façon là je vais pas refaire de sport jusqu'à que je revienne du sud d'ailleurs. Ouais en fait je vous dis ça mais quand vous... verrez ce vlog, j'aurai déjà publié certainement sur les réseaux. Pour l'instant là j'ai demandé qu'on trouve où est-ce que je vais. Et pour l'instant personne n'a trouvé. En fait c'est pas en France, c'est pour ça. Voilà. Mais je vais pas le dire quand même en vlog, voilà. Il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux ou de regarder les prochains vlogs. Vous allez voir où là il est quelle heure du coup. Il doit être ouais, 16h30. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter la vidéo qui doit être en ligne. Qui doit être en ligne lundi prochain. Elle est assez longue en plus, je trouve que ça va être un peu long à monter. Je prends un petit goûter, tout ça quoi. Et je voulais essayer de guetter si je pouvais continuer le lit, voir si je pouvais faire. Mais je vais voir parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Faut que je prépare ma valise, en plus ça va être pratique de prendre mes habits avec ça. Je pense que je vais attendre
Je vais dire mes avis, j'attendrai que le lit soit fini parce que là ça va être un peu chiant. Bon, me revoilà. Il y a ma vidéo du jour qui est sortie puisqu'il est 17h40 presque. Sinon là du coup j'ai fait des petites photos pour Insta, je dois encore faire quelques trucs. Comme ça avant de partir j'ai des photos Insta de prête, genre des produits et tout quoi, je dois faire des petites photos quoi. Et là je vais faire mon petit goûter, petite coquillette à l'échalote, ça rimote. Bon les gars, j'ai pas du tout essayé de monter ce lit puisque voilà, je sais pas. Là, il est 19h, mon copain finit à 19h30, du coup là je vais aller me doucher. Ce serait peut-être temps, ça fait un peu genre presque 3 heures que je suis rentrée. Et là j'ai chaud, je pense que ça se voit à mes joues. Et faut que j'enlève mon vernis. Bref, j'ai tellement de trucs à faire ce soir, faut que je fasse toute ma valise niveau habits et tout. Make-up, trousse de toilette, les chaussures et tout ça. Et on y va en voiture donc ça va, je peux emmener plein de trucs en fait. C'est plutôt cool. Ma petite voiture va aller aussi loin. J'ai jamais allé aussi loin. Le plus loin où elle est allée c'est à Lyon. Voilà. Du coup je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, quand mon copain rentre on termine ça. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, on avait un Mondor, mais je sais pas si on va manger ce soir ou si on attend que je revienne après. Bref, je vais me doucher. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et on se retrouve, je sais pas demain, je suis pas sûre puisque comme je vous l'ai dit, je sais pas ce que j'aurai comme connexion là où je vais. Mais en tout cas on se retrouve plus tard pour un prochain vlog. Gros bisous.